Salam oubliez pas d'apprécier le vidéo et bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Donc, Dans cette deuxième partie de notre leçon, les équations, on va voir le deuxième paragraphe, résolution de problème. cest Okay. bien sûr à l'aide des équations euh, à partir de l'activité 4 page 161 donc euh, voici l'activité 4 page 161 donc ici on a une balance euh, en, équilibre. en équilibre les pommes ont la même, la même, la même masse yani, la masse c'est il y a الكتلة يعني كل ها هما لي لي بوم هما هادو هنا سي واس سي لي بوم هنا تخوا بوم ايسي اي اون بوم ايسي دونك آه هنا آه ليكيليبغ يعني عندنا التوازن يعني الكتلة يعني اش كيعني كيعني ان الكتلة ديال ما يوجد في هاد الكفة كيساوي المجموع ديال الكتل ما يوجد في هاد الكفة الاخرى كومبيان

donc, on va résoudre ce problème à l'aide des équations. C'est que l'activité. que en utilisant les équations. Mais comment D'abord, on va commencer par quoi Ici, ça c'est un cas bien sûr plus simple. Moi, je vais vous présenter quelques. Après avoir je vais vous présenter quelques problèmes ou bien deux problèmes, deux exemples euh, typiques, comment résoudre les problèmes à l'aide des équations. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire D'abord, ici, le problème, c'est quoi C'est de euh, combien pèse chaque pomme.

donc, hadi x le de la est-ce qu'on va euh, déterminer. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire soit, donc, à la phase le choix de l'inconnu. D'ailleurs, ici, l'inconnu, il est clair que le x est le, le poids de la pomme, une pomme. Donc, on va écrire, donc, la première étape, La première étape, euh, choix qu'on l'inconnu. Le, le, hein, les choix de l'inconnu. De l'inconnu. Le choix de l'inconnu. Ici, on dit, par exemple, ici, soit x la masse d'une pomme. Maintenant, on va exprimer cet euh, équilibre-là est toujours dans la brève une équation comment regardez la somme de ces masses-là il est je mène à du couteau zidleyads 50 grammes que ça oui la somme vient à dire donc on va écrire deuxièmement l'équation bien mise en équation mise en équation donc x plus x, plus x, plus 50. Égal x plus 350. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Et Il n'écrivait pas l'unité. Le, le, l'unité, c'est le gramme ici. Vous savez, le gramme. Donc, x plus x plus x, c'est quoi donc, ah, on va euh, maintenant on va résoudre euh, l'équation. Donc, pour trouver x, on va résoudre l'équation. Donc la troisième étape, résoudre l'équation. Résoudre l'équation. Qu'est-ce qu'on va écrire Donc on a x plus, x plus x plus x plus 50 égale à quoi X plus 350. Donc, le calcul littéral, X plus X plus X plus. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire Ou bien, on va simplifier ça. Donc, euh, dans, le, dans le développement factorisation, la hein, leçon, c'est très important. X plus X plus X, c'est 3X. Plus 50. Égal à X plus 350. Maintenant, pour résoudre l'équation, cette équation-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer 50 à droite et x à gauche. Pour regrouper Basinès, l'eau x, on a, euh, à gauche, on a les nombres, les nombres qui sont connus à droite. Donc, les, les inconnus, les, les nombres qui sont connus. Donc 3x moins x égale à 350 moins 50. 3x moins x, c'est 2x. 350 moins 50, c'est 300. Maintenant, regardez, on a la multiplication. Donc, 2x sur 2. Je vais diviser par 2 les deux membres. Pour simplifier par 2, regardez. x égale à 150. Maintenant, je peux écrire x égale à 150 grammes. Mais euh, la, la quatrième, ou bien la quatrième étape. Je fais l'interprétation. l'interprétation, Qu'est-ce qu que j'ai trouvé Je trouvais X, le Y, la masse d'une seule pomme. La masse d'une pomme, c'est 150. Ans. Donc, la masse de la pomme, je vais écrire la masse de la face 4. Interprétation. Hein? Interprétation, on va voir ça. Donc, la masse d'une pomme. Et 150 grammes. Tout simplement. Maintenant, voici les étapes à suivre pour résoudre n'importe quel problème. Donc, euh, voilà les, les étapes à poursuivre pour résoudre un problème. N'importe quel problème. Pour résoudre un problème à l'aide d'une équation, on suit les étapes suivantes. دونك اللي حل اي مساله يعني بواسطه يعني المعادله يعني ليكواسيون كنتبعوا هاد هاد يعني هاد المراحل لا بروميير ايتاب جي نومي سيت ايتاب لا ليتاب زيرو يعني قبل كل شيء il faut lire attentivement le problème يعني قبل ما نديروا اي حاجه خاصنا نقراو يعني اللي 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 المساله

الذي رايناه يعني اللي شفناه اللي يعني قبل قليل هو لا ماس دو لا بوم اللي, اللي سميناه اكس ميز اون ايكواسيون دو بروبليم هنا كنوضعوا المعادله كان دونك ميز اون ايكواسيون يعني كنقوموا بالصياغه ديال ليكواسيون ديال المعادله ثوازيامون ريزولوسيون دو ليكواسيون تنقوموا بحل هذيك المعادله résoudre l'équation et après on fait la vérification et l'interprétation des résultats Interprétons كان كان interpréter les résultats يعني كان كان نقولوا هذوك النتائج كنقول x c'est-à-dire le poids ou bien la masse de la pomme c'est 150 grammes et ou l'âge de Saïd l'âge de de etc. et cetera تنقول كل la valeur de l'Ertrina, ça n'a tué, elle coule, coule, ouais. savez, c'est ça ce qu'on appelle l'interprétation des résultats. Pour ce qui concerne la vérification, on a le droit de coule, donc les valeurs, et on les remplace face-mutuel, l'équation, ou est-ce que l'Ertrina a dit, ou est-ce que les conditions du problème. Maintenant, on passe à euh, deux exemples que je vais vous présenter. Voilà le premier. Voilà notre premier exemple. Yasmina a deux ans de plus que sa sœur Aisha. Et Nesrine est quatre fois plus âgée qu'Aisha. Quel est l'âge de chacun d'entre eux, sachant que la somme de leur âge est 26 ans? Donc, je répète Yasmina a deux ans de plus que sa sœur Aisha. يعني ياسمينة كبر من عائشه بسنتين أ آه دو زون دو بلوس كو سا سور عائشه إذن ياسمينة كبر من عائشه بسنتين صافي نسرين إي كاتر فوا بلوس أجي كو عائشه غوغادي نسرين كاتر فوا بلوس أجي يعني كاتر أربعة المرات كبر أربعة المرات من عائشه يعني لاج دو عائشه مضروبة في أربعة تيعطينا L'âge de Nisrine. Donc ici, donc, euh, la première étape, c'est quoi On a dit, la première étape c'est quoi Le choix de l'inconnu. Ici, l'inconnu, normalement on a trois filles. On a Yasmina, on Aïcha et

x y z les inconnus. Un seul inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Le choix de l'inconnu. Regardez. De l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on a l'inconnu convenable ici, le même x De telle sorte, on a les autres, on va les écrire en fonction de avec le x. Parce qu'il y a une relation. Yasmina, regardez, Yasmina a deux ans de plus que sa sœur Aisha. Nisrine est quatre fois plus âgée que Aisha. Regardez, hein? Aisha, il a la relation. Il a une relation avec Yasmina et il a une relation avec Nisrine. Quelle est la relation entre Aisha et Yasmina? Yasmina a deux ans de plus que sa sœur Aïcha, aí, Yasmina, qui est plus âgée que de sœur Aïcha. Si l'âge de Aïcha c'est X, alors l'âge de Yasmina c'est X plus 2. Pour ce qui concerne Aïcha, on a Nisrine, qui est 4 fois plus âgée que Aïcha. C'est-à-dire est -à -dire, il a une quantité X et Aïcha, alors Nisrine est 4X. Donc, il est clair qu'on va choisir X, l'âge de Aisha. Donc, on va choisir le choix. Donc, on va écrire soit X, l'âge de Aisha. Donc, si X est l'âge de Aisha, regardez. Donc, Yasmina. Donc, Yasmina. L'âge de Yasmina. Donc, on va écrire... La, son âge, c'est quoi On va écrire l'âge. Je m'excuse. Donc, l'âge... de Yasmina... c'est quoi C'est X plus 2. Quoi encore L'âge de... Nisrine, regardez. Donc, et l'âge de Nisrine, ça sera quoi Nisrine, ça sera C'est... 4 fois plus âgé que Aïcha. 4 fois X. 4X. Donc, 4X. Donc, maintenant, quel est l'âge de chacun d'entre eux, sachant que la somme de leur âge est 26 ans donc regardez, ici maintenant, on va passer à mise en équation. Mise en équation. C'est-à-dire, on va écrire l'équation. La somme de leur âge. Donc, l'âge d'Yel et et de Yesmina et de Nessel, ça va donner 26. Donc c'est quoi l'équation? X plus l'âge, c'est l'âge de Aïcha Plus l'âge de Yesmina, c'est X plus 2. Plus 4x, c'est l'âge de Nisrin. Ça va donner 26. Troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire On va résoudre cette équation. Donc, on va écrire résolution. Résolution de l'équation. Donc, pour résoudre cette équation, regardez, qu'est-ce qu'on aura x plus x. Plus 2 plus 4x égale à 26. X plus X plus 4x, ça va donner combien Ça va donner 6x. Plus 2 égale à 26. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on va faire Donc on a 6x, c'est 26 moins 2. C'est-à-dire 6x égale à 24. 6x sur 6 égale à 24 sur 6. Donc, x égale à 4. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on a trouvé On a, on a trouvé l'âge de Aisha. Donc, l'âge de Aisha. Donc, enfin, quatrièmement, on va faire l'interprétation. Donc On va écrire l'âge de Aisha, c'est 4. 4 ans. Donc, il aura 4 ans. L'âge de Yasmine, c'est 4 plus 2, c'est 6 ans. Et l'âge de Nisrine, c'est 4 fois 4, c'est 16 ans. Donc, 4 fois 4 égale à 16 ans. Et c'est tout. Donc, l'âge de Aisha, c'est 4, l'âge de Yasmina, c'est 6 et l'âge de Nisrine, c'est 16 ans. Tout simplement. Maintenant, on passe à, au deuxième exemple et j'espère que vous allez essayer de résoudre ce problème et on continuera après. Voilà notre deuxième problème. Il y a 28 élèves dans une classe. Il y a des garçons et des filles, hein? Le jour où Samir était absent, il y avait deux fois plus de filles que de garçons. Combien y a-t-il de filles et de garçons dans cette classe Donc, la classe tout entière. On a 28 le élèves. les filles et les garçons. Quel le jour où Samir était absent? Jour, Samir, le jour où Samir était absent, yani, raib, il y avait deux fois plus de filles que de garçons. Yani, il y, fête, fête, enfants, yani, il y deux fois plus que de garçons. Il y deux fois plus que de garçons. Il y deux fois plus de garçons. Combien y a-t-il de filles et de garçons dans cette classe? Kemin, il y a des fatey, ou des ou Donc euh, j'espère que vous, vous avez fait un effort. Donc ici, regardez. On a ici deux euh, deux, deux inconnus. Juste imaginez, on a le nombre de filles et le nombre de garçons. Mais n'oubliez pas que on a une relation entre ces, le nombre de filles, et le nombre de garçons. C'est quoi C'est que leur somme c'est 28. Ça y est. Donc. Donc c'est pas la peine d'écrire x le nombre des filles, y le nombre des garçons. Donc faites attention, on a déjà parlé de ça. Donc déjà, X, Z, non, on va exploiter. Donc si on connaît le nombre des filles, on va trouver le nombre des garçons. Et si on connaît le nombre des garçons او فا كونيتخ لو نومبغ دي في الا عرفنا العدد ديال البنات غادي نعرفو ديال ديال الدراري ديال ديال الاولاد ولا عرفنا ديال الاولاد غادي نعرفو ديال البنات كومون دونك كنعرفو بان لا سوم المجموع ديالهم تيعطينا فانت دونك الا عرفنا ديال لي في غناخدو فانت غنقصو غنقسو منو لي في غيعطينا لي كارسون ولا لقينا لي كارسون غادي نلقاو لي في غادي ناخدو فانت ويت ونقسو منها لي كارسون Donc ici on a le choix. Il y a x le nombre des filles ou la x le nombre de garçons. C'est pareil, mais c'est Donc maintenant, par exemple, je vais choisir, je vais, euh, je vais, choisir x le nombre des filles. Donc choix de l'inconnu, choix de l'inconnu. soit x le nombre des filles. Le nombre des filles. Donc si x est le nombre des filles, c'est quoi le nombre des vaccins C'est 28 moins x. Donc 28 moins x est le nombre. Et le nombre des garçons donc et si on prend x le nombre des garçons 28 moins x c'est le nombre des filles c'est pareil donc x le nombre des filles donc maintenant on va écrire le, le L'équation mise en équation. Mise en équation. Donc, on va exploiter, le jour où Samir était absent. Qu'est-ce que c'est que Samir était absent C'est-à-dire le nombre des garçons. Hein? Donc, on va lui retrancher. Hein? Donc, on va Samir est absent. Lorsque Samir est absent, donc, les garçons, il y avait deux fois de plus que de garçons. Il y avait deux fois plus de filles que de garçons. Yani, Raoul, Lédique, on aura le nombre de filles, c'est le double des, des garçons. Donc, on va écrire. Donc, maintenant, si... Euh, 5000 étapes absent, on aura le nombre des garçons, ça sera 28 moins x moins, moins 1. Et le nombre des filles, ça sera le double de ce nombre. Donc, on a le nombre des filles, le x, ça sera quoi Le double, deux fois, le nombre des garçons, mais moins 1. 1, c'est 5000. 28 moins x moins 1. Donc c'est le nombre des garçons moins 1. Si on le multiplie par 2, on, a, on aura le nombre des, des filles. Parce que il y avait deux fois plus de filles que de garçons. C'est-à-dire, le nombre des filles sera dans ce cas-là le double de, de, du nombre des, 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 des garçons. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre cette équation. Résolution, donc on va écrire résolution. Résolution de l'équation. Donc, on va résoudre cette équation. Qu'est-ce qu'on a On va euh, développer... D'abord, avant de développer, on peut dire 28 moins 1, c'est 27. Donc, on aura x. C'est quoi C'est 2 fois... Donc 28 moins 1, ça va donner 27. Donc on aura 27 moins x. x égale. 2 fois 27, ça va donner 45. 54. Moins 2x. Donc on va faire euh, passer moins 2x à gauche. C'est ce qu'on aura. On aura x égale à 54. Donc x plus 2x c'est 3x. Égale à 54. Donc on va diviser par 3. 3x sur 3. 54 sur 3. On divise par 3. Ici on aura x égale 54 divisé par 3. Donc euh, 54 Divisé par 3. 5 divisé par 3, c'est 1. Le reste, c'est 2. 24, dans 16. Donc, euh, on aura. Non, 8. C'est 18. X égale à 18. Donc, euh, voilà. Donc, maintenant, on a X égale à 18. 18, c'est quoi 18, c'est le nombre des filles. Donc, c'est si X. Donc, on aura le nombre des filles. Le nombre des filles, c'est quoi C'est 18. Et le nombre des garçons, ce sera quoi Regardez, 28 moins x. Le nombre des garçons, c'est quoi C'est 28 moins 18, c'est-à-dire 10. 10. Donc, vous allez constater que voilà le nombre des filles, c'est 18, et le nombre des garçons, c'est 10. Donc, si Samir est absent, il vais dire euh, tribe Samir, donc, radio vais les garçons dit ou les 9. Donc, 10 moins, moins 1. Donc, on a la, quand la, la vérification. Es Est-ce que c'est correct 10 moins 1, c'est 9. Donc, 18, c'est le, le double de, de 9. Donc, on a. Euh, deux fois plus de filles que de garçons. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon, les équations, on va corriger les exercices de la page 166. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt